Nous approchons du bonjour YouTube. De l'UAC. Bonjour YouTube. Il est temps que nous nous rencontrions. Mon bureau se trouve à l'étage de ce bâtiment. Ça va YouTube? Ouais, nous, on est reparti. Rien à ramasser dans le coin. Pardon, j'ai pas fait exprès. Ce vaste centre de recherche, de conception et de production On se remet dedans doucement. Ah, toujours la petite blague qui marche. La petite blague de la chasse d'eau. Ça s'ouvre pas. Faut que je retrouve les boutons, hein. Alors, qu'est-ce qu'on améliore? Munitions, santé... Bon, la munition, hein. Attendez les gars, j'ai un truc à visiter là-bas. Ah non, c'est fermé. Zut. Tout ce qui est en votre pouvoir pour réaliser votre destinée, travaillez davantage. Accrochez votre photo sur le mur de l'excellence. Soyez l'employé du mois. Trop chiant, eux. Leur bouclier. Oh. Nous n'avons pas suffisamment de postulants et notre foi n'est rien sans fidèles. On ne peut pas mener nos travaux sans eux. Oh! Sur quoi travaillez-vous, Olivia? Salut, Mike. Je vous rapporte de votre équipe depuis des mois. Puis-je avoir confiance dans le fait que vous parvenez à maintenir vos distances et à contrôler la situation? Bien sûr. Je crois en notre travail. Mais pour faire des progrès, nous devons être prêts à faire encore plus de sacrifices. Ce n'est pas du progrès, c'est de la folie.
Le conseil comprend la nature particulière de vos travaux et n'ignore pas l'importance de ces sacrifices pour l'humanité. Mais votre jugement ne nous paraît plus aussi sain. Quelle phrase vient de te faire penser à un jeu ? Désolé, du coup, je suis vachement focus quand je joue à Doom. Du coup, je fais un peu moins gaffe. J'avais pas fait gaffe que t'étais arrivé. Sinon, ça va très bien. Écoute, j'ai passé de bonnes fêtes. Je suis resté tranquille tout seul dans mon coin. Et toi, ça s'est bien passé ? T'es rentré du Nord ou t'y es encore ? T'es rentré et c'est demain que tu pars à Dijon. Tac. Donc à quel jeu t'as pensé ? Et quelle phrase ? Quelle phrase j'ai dit ? Quelle connerie j'ai dit encore ? On peut pas y aller là ? Non. Bon. Je sais pas vraiment où faut aller, mais on va voir. T'as oublié. Ha ha ! Entre le temps... tu vas regarder le replay. Entre le temps où je réagisse... apparemment, il n'y a plus rien. Ah, y a peut-être ça... Des munitions. Ah, raté. Allez, la bagarre. Joyeux Noël, Mike. Joyeux Noël. Non, je voulais ça. Oh oh. Ah, l'employé du mois. Il est où ? Vous avez pensé à The Cave ? Je connais pas. Ah, mais il est là, lui. Très bon jeu d'énigme. Dans mon référentiel des bons jeux. Nice. J'ai pas genre tiré sur personne là. Zod. Ah shit. Bah hop. Ah c'est la merde. Fait par un des papas de Monkey Island. Ah, ça me parle comme référence. Jeu auquel j'ai jamais joué, mais qui fait, ouais, qui fait partie de... qui fait partie du paysage vidéoludique de mon adolescence.
J'ai plus. C'est par là ou par là? Oui, c'est par là. Non? Ah, c'est parce qu'il faut appuyer sur un bouton. Juste, j'ai assez de... Bah oui, je peux utiliser ma tronçonneuse. Ron Gilbert. Non, le nom, du coup, je t'avoue que le nom ne me parle pas du tout. Monkey Island, ouais. Par contre, encore une fois, dans les arènes, je me balasse pas assez, hein. Tu sais, je reste en bas comme un... comme une quiche. S'il y a un Monkey Island à faire, c'est le 3. Tellement de jeux à faire, toi-même tu sais. Here's the tentacle. Ça, tout ça. J'ai toujours pas... Oups. J'ai toujours pas réinstallé mes émulateurs, moi. D'où il me tape, lui? Non mais oh. Les munitions. A déjà fait pas mal. Installer Céleste, c'est déjà ça. Certes, mais Céleste n'est pas vraiment un jeu rétro. Bon, allez, bagarre. Commence par quoi pour la bagarre? Non. Ouais, allez. Mais Céleste, c'était obligé. C'est le jeu de chevet. J'avais pas vu ça! Parfait! Ils sont où? Là! J'ai prouvé des promos Steam. Pas encore, mais ma wishlist est prête. J'attends la paye. Et ouais, tu m'avais demandé la dernière fois. Damned, damned, damned. Donc non, ma wishlist est prête. Vu que les promos vont jusqu'au 5 janvier, je... Pardon, j'attends la paye pour les choper. Et voilà. Ce sera tous des jeux que j'aurai à faire en stream. Donc une fois que j'aurai acheté tous ces jeux-là, et ben j'aurai plus grand-chose à acheter d'autre. À part Elden Ring. Mais sinon, je serai tranquille pendant plusieurs mois. Hein. Oh. En fait, j'aimerais bien récupérer de la vie quelque part. Donc ouais, je vais profiter des promos Steam dans très peu de temps. Là, dans la semaine, quand la paye arrive.
Dans le tas de mémoire, il y aura Dark Souls 3. Parce que je vais commencer le 2 bientôt, là. Il y aura Cyberpunk. Il y aura Sekiro. Je me tâte encore sur Forza 5. Parce qu'avec tout ce que j'ai acheté, ça commence à chiffrer. Quelques autres aussi, là je t'avoue que je m'en souviens pas. Perso, t'as oublié Death Doors, ah c'est un truc que je voudrais faire ça aussi. Undertale, ouais, ça tu m'avais dit. Kena, je connais pas. Blasphemous, ah je l'ai dans ma bibliothèque, faut que je le fasse aussi. Cuphead. Je pensais que tu l'avais déjà fait, Cuphead. Zaz Campfire et Assalon, je connais pas les deux derniers. Forza 5 pas acheté, mais j'y joue quand même. Le Game Pass. C'est en cours, Cuphead. Haha. Bon, on va essayer de faire mieux cette fois-là. Faut que je garde le mode Berserk pour un peu plus tard. Ah merde. 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 Il y a un mur en fait derrière moi. Quelle violence! Ah, moi la violence ça me débecte. Là-haut ? Là-haut. Merde. B. Où est-ce qu'il est ? Il en reste un, il doit s'être planqué quelque part, ce con. Allô ? Peut-être pas alors. Si. Ah, il est là ! Ah, tu t'étais perdu ? Merde. Voilà. C'est tout ? Intrusion démoniaque. Parfait. Fin du verrouillage. Ah, il y a aussi la trilogie Spyro Remastered que je vais prendre. C'est un des jeux de mon adolescence aussi. Ça me ferait vraiment plaisir de les refaire. Mais, Cuphead, je sais plus si je l'ai. Ce n'est qu'une mise à jour du système. Un prototype de notre porte interdimensionnel qui me permettra de vous ramener des enfers. Pardonnez le choc, mais je pense que vous n'auriez pas accepté autrement.
Je suis le docteur Samuel Hayden. J'ai tout ce qu'il faut dans mon bureau. Par ici, je vous prie. Je viens. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Ah oui, ce serait un bon jeu à se faire en coop, ça, Cuphead. Vous pouvez marcher moins vite encore, s'il vous plaît ? Sont sales vos vitres, hein, docteur. La tour argent est catastrophique. Mais je m'engage à vous aider à fermer le portail. Tout ce que nous savons de leur monde et ce sur quoi nous travaillons provient des inscriptions découvertes sur un artefact de pierre arraché aux enfers au tout début du programme. Nous l'avons baptisé l'hélice de pierre. C'est notre bien le plus précieux à ce jour. Une véritable obsession pour Olivia. Nous avons ainsi appris à manipuler l'énergie infernale pour la plier à notre volonté et tirer avantage de leurs ressources. Elle nous a aussi conduits à vous. L'hélice de pierre nous a montré comment maîtriser la puissance du puits. Elle devrait vous montrer comment le fermer. Pendant des années, Olivia a gardé l'hélice de pierre dans son bureau du laboratoire Lazarus, accessible uniquement par un ascenseur sécurisé depuis le complexe scientifique de recherches avancées de l'autre côté du schisme. Vous semblez aimer les armes à feu. Vous devriez trouver tout ce qu'il vous faut ici. Youhou! L'ascenseur de service se trouve au bout du couloir. Eh ben allez, ciao hein. J'avais oublié de prendre ça. Ah. Utiliser ma tronçonneuse truc d'avant. Bon, j'ai pas des trucs à dépenser là. Si. Toujours pas déverrouillé, bordel. Est-ce que je peux... Non. Ça, je crois que j'ai pas assez de toute façon. Si, ça, mais la carte, je la regarde jamais. Ok. Oh, pardon. Bonjour. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc là-bas ? Ah si !
On va devoir encore faire la bagarre. Bon bah allez. La bagarre. Je suis derrière toi. Espèce de con. Oups. Entre les guiboles. J'aurais dû lui faire un petit coup de tronçonneuse à lui. J'ai pas pensé. Bon ça va, ça s'est bien passé. Belle, belle, belle. D'ailleurs, soir, j'ai essayé de réinstaller Warframe. Faut savoir qu'en 2019, j'ai beaucoup joué à Warframe. Putain, j'ai tout oublié. J'ai plus rien compris. Ou j'ai abandonné. War quoi ? Warframe. Je connais pas, c'est un TPS free-to-play, mais avec un assez gros univers. Il est où ? Là. Ah, c'est PS Burke. En fait, je trouve que l'univers du jeu est vraiment stylé. T'as vraiment plein de choses à prendre en compte. Et ouais, j'ai tout oublié, quoi. Je suis pas sûr de l'endroit où faut que j'aille. De toute façon, je peux pas faire demi-tour. C'est quoi déjà le bouton de la map ? Voilà. Évite le trou. Bah je vais essayer d'éviter le trou. Ah, ça je l'ai chopé, et ça c'était un chemin alternatif. Bon bah... Comment ça, c'est par là? Ah, ok, ça s'ouvre. Sinon, j'ai vu un jeu sympa de plateforme, mais il n'est qu'à moins 20%. Quel jeu? Et donc, c'est triste. Case and the Wild Mask, je ne connais pas.
fait, je voulais... Et un peu plus bas, monsieur. Il s'inspire de décasser. Il y a quelques bonnes idées de ce que j'ai vu. Alors, décasser, ce sont les initiales de quoi? Donkey Kong Country? Oui. Oh, incroyable. Pour quelqu'un qui connaît pas Nintendo. Bon du coup, c'est par là. Qu'il est fort! D'accord. Allez. Allez hop. Ça a l'air assez space ta zone là, non? Un peu. Avec du bleu et du jaune, ça fait bizarre. Non, mais ça va aller. Bon, c'est par où? Ça se casse pas. Ah, d'accord. Être en face du trou. Réflexement. Ah non, ça se casse pas. Ah ouais, à tout casser. Face du trou, il paraît que c'est mieux. C'est ce que ma meuf me dit régulièrement. Oh. Alors, on va où? Ah. Pas sûr que ce soit mon signe si elle te le dit souvent. Waouh, waouh. Ou alors? À gauche, tout droit, à droite. Il y a une armure. Oh là là, je suis obligé de descendre. C'est là où j'étais, non? Ouais. Oui, mais c'était pour une armure. Ça vaut le coup. C'était où? C'est là. Donc à gauche on a fait, à droite. À droite, c'est le bon chemin. Et tout droit, il y a quoi? Tout droit, c'est retour au début. Bien. Pardon, j'ai regardé un SMS important. Allez, un peu de bagarre. Mais... Oh putain!
Miam miam. Intrusion démoniaque terminée. Fin du verrouillage. Alors, est-ce qu'il y a de la vie, des munitions, des boutons sur lesquels il faut appuyer? D'accord. Et si on économisait des munitions? Voilà, simplement. Rien à faire avec tout ça. Ensuite. Ça, j'ai déjà vu. Monsieur, dame. Ça se trouve, j'ai loupé le même bouton tout à l'heure. Observateur comme je suis. Est-ce qu'il y en a un autre de l'autre côté peut-être? Non. Ensuite. Et là il y avait rien. À part le corps. Apparemment non. Bouton. C'est fermé parce qu'il y a un bouton. Accès autorisé. Bonjour, docteur Pilas. Bonjour. Je sais pas s'il fallait que je me mette au-dessus. Activation du système de sécurité laser. OK. Bon, alors faut faire quoi? RIP. Anomalie biométrique détectée. Scan en cours. Personnel non autorisé. Ah, peut-être que je dois me mettre là. Début de l'expulsion dans 5, 4, 3, 2, 1. Je sais pas. Activation du système de sécurité laser. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ensuite, que dois-je faire?
Que faire, que faire? Découpé. Anomalie biométrique détectée. Scan en cours. Cube. Quel film, Cube ? Confirmé. Début de l'expulsion dans 5. Mais longtemps que j'ai pas revu Cube. Bon. C'est par où ? Quand tu l'as pas, je me demande s'il est sur sur Prime Video. Moi je l'ai en DVD sinon, mais j'ai plus de lecteur DVD. Hop ! Ah bah non, ça passe pas. Tu as un lecteur DVD ? Un vrai, dans un vieux PC. I don't get it. Je peux pas aller tout droit. Ah non. Personnel non autorisé, confirmé. Début de l'expulsion dans 5, 4, 3, 2. Alors j'ai oublié de faire un truc, je sais pas, mais alors faut exploser un truc. Peu importe l'endroit où je me mets, c'est la merde. Si on va là, qu'est-ce que ça fait? Cube est dans le Prime Vidéo. Ah ah! Peut-être un truc à se mater ce soir, tiens. Il n'y avait rien à faire, là. Je me disais, c'était étrange que j'atterrisse dessus. Je serais limite capable de faire un stream vidéo avec ce film, tiens. Waouh, putain, ouais. Est-ce que j'aurais pas oublié de faire un truc? Ah! Merde. Anomalie biométrique détectée. Scan en cours. Personnel. J'ai été trop lent. Il y a même cube 2 devant, mais pas cube 0. Franchement, 2, 1. Ils sont tellement nuls de toute façon. En tout cas, moi je les ai trouvés horribles, les deux. Pas la saveur dure, hein. Loin de là. Ouais, en fait, c'est dès que je rentre dedans, il détecte que c'est la merde. Je peux rien faire, là? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Appuyer sur le bouton, je ne vois pas.
Ok, c'est tout. Bon. Je comprends pas. Anomalie biométrique détectée. Scan en cours. Personnel non autorisé. Confirmé. Début de l'expulsion dans 5, 4, 3, 2, 1. Activation du système de sécurité laser. Ça n'explose pas. Ça non plus. Mais tirer sur tout ce qui bouge. C'est pas le but du jeu. Mais là-haut, il y a rien à faire, on est d'accord. Bon, what the fuck? Ou alors je dois attendre un cycle? Je sais pas. Bah ouais, je monte sur le truc parce que je me suis dit il y a peut-être quelque chose à regarder là-haut. Bon, j'ai pas l'impression qu'il faille attendre la fin d'un cycle ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu as la solution, toi? Oups. Aucune idée. D'accord. Je regarde sur internet. Bah ouais, moi je suis pas fort pour ça. Anomalie biométrique détectée. Scan en cours. Personnel non autorisé. Confirmé. Début de l'expulsion. Ce que je vois vraiment pas. 3, 2, 1. Bon, j'ai pas fait exprès. Activation du système de sécurité laser. J'ai glissé, chef. J'ai vu la solution. Ça ressemble à ce que je pensais, je crois. Je suis pas sûr d'avoir vu activation de quoi parle. De sécurité laser.
que j'ai vu. Ah. Ah si, mais j'avais bien tiré dedans tout à l'heure. Mais d'accord. Peut-être pas. Bon sang, c'est bien sûr. Tirer sur des trucs. Ah. Le big fucking gun. Le BFG 9000 est une arme puissante spécialisée à laquelle vous pouvez accéder en appuyant sur T. Utilisez-le pour anéantir vos ennemis. Bon, ça sur T, il n'est pas dispo là? Effectivement, il n'est pas dispo là. T. À tout le personnel, veuillez vous diriger vers l'ascenseur Lazarus. Menace des mineurs. Effectivement, c'est efficace. Bon sang, c'est bien sûr. Maintenant, j'ai une mitraillette. Oh, oh, oh. La tendresse. Ce n'est pas seulement aimer, mais être heureux. Attends, je vais niquer l'autre d'abord. Je sais pas ce que c'est. Et ça c'est quoi? C'est un téléporteur, très bien. Ok, bon. Allez, bagarre. Petite séquence bagarre. Non, on va commencer au lance... Non, j'ai presque pas de... Oh. Bon. Il va falloir faire un petit coup de tronçonneuse là. Alors, où sont-ils? Raté. Mais je le rate. Voilà. Ah, il y a un quad damage là. Hop. Forcément, je le vois à la fin.
Oh, ça va mal finir. Pourquoi j'ai pas sorti le canon gosse, je suis un con. Le fusil gosse, pardon. Oh sa mère. Ça va, il est pas très réactif. Non, il est ça. On a encore un planqué ou pas? Oui. Intrusion démoniaque terminée. Oh, okay. Fin du verrouillage. Bon bah, ça a été. Attention, arrivée de l'ascenseur de service, Lazarus. Attendez, monsieur. Enfin, madame. Pardon, madame. Les balles percent les cibles. Let's go. Présence démoniaque à des niveaux non sécurisés. Encore ? Oups. Dommage. Je pensais que j'étais tranquille. Ah putain, j'ai tout à refaire. Bon. Oups, pardon, pardon. Ouais, mais trop tard. Thank you.
Nice. C'est vraiment des sacs à PV ceux-là. T'as plus du HUC. Elle est où? Pour lui, ce sera pour toi. On a un quad damage vachement utile, hein. Merde, je me suis mis dans un coin comme un con. Quelle violence que fait le CSA! Intrusion démoniaque terminée. Fin du verrouillage. J'aimerais bien savoir ce que fait le CSA, moi aussi.
Moi, est-ce que je vais pouvoir les tronçonner, les deux gros, là? Les cons. Attention, arrivée de l'ascenseur de service, Lazarus. Présence démoniaque à des niveaux non sécurisés. Vers l'objectif. Ah, bon. Alors, il est où? Il est là. Raté. Ah ah! Ouais, mon clavier fait du bordel là. Le. Ça là? Ouais, ouais, c'est ma touche espace qui fait un peu de boucan. Ouais, j'ai déjà remarqué sur mes VOD qu'elle faisait du bruit. Des os. Et c'est terminé. J'ai trouvé plus de secrets que d'habitude. Putain, j'ai raté un drone. Des eaux, oui. Des eaux propres. Des eaux salées, des eaux douces. Merci YouTube, au revoir YouTube.